Alors voilà, je sais pas, moi c'est Joed. Alors bon, je vous appelle, vous la prod toute cramée. Alors j'ai vu vos dernières méthodes concernant les bébés, hein, les petits bébés, les bambins. Alors bon, avec ma femme, on a un petit bambin, un chérubin, un petit bonhomme tout rose à pampers. Et alors bon, il est un petit peu, comme vous dites, un peu retardé. Hein. Avant, il faisait heureux. Hein. Alors on s'est dit, bon, on a suivi votre méthode, hein, la méthode tatane. Hein. Alors on a commencé à une tatane par jour. Après, voilà, il était toujours pas agité. On a deux tatanes, trois tatanes. On est arrivé jusqu'à 12 tatanes. Alors là, il a commencé à s'apaiser 2 jours. On s'est dit, alors voilà, on allait vous appeler, vous envoyer des petites fleurs. J'allais presque vous envoyer ma femme, le cul à l'air. J'étais très reconnaissant, je dois dire. Mais alors 2 jours après, il a commencé à faire des trucs de dingue. Il a commencé à faire toc, 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 toc. Il commence à se taper la tête en faisant toc, 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 toc. Alors ça, c'était le premier symptôme. Jusqu'à là, déjà, on était un peu inquiet. On s'est dit, c'est peut-être, voilà, une sorte d'énigme. Il est devenu aussi philosophe, toc toc, tic tac touc. Ouais, on n'a pas compris son délire. C'était peut-être une suite logique, toc toc toc, tac, tic tac. Ouais, on n'a pas compris tout de suite. Mais alors, le deuxième jour, carrément, vraiment, il a changé le marmot. Il courait tout droit comme ça, il tapait la tête contre les murs, il faisait toc toc, toc toc. Alors, franchement, c'est pour vous dire qu'on est vraiment déçu par cette méthode moyenâgeuse, quoi. Alors, franchement, si on vous trouve le fesse à l'air à Esquignol, ouais, si on vous trouve le cul à l'air, alors franchement, c'est tatane, 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 quoi. Et en plus, ma femme, elle a dit, alors ce sera même une double, double, double tatane, hein. Et alors, je peux vous dire que quand elle en était à 12 tatanes, vraiment, il n'y avait pas de main morte, hein. Elle disait, deviens philosophe, putain de crevard, deviens philosophe, il y a l'autre marmot, là, il a réussi à faire une métaphore, parlant de Jésus, alors non, voilà, Et comment vous dire, alors là, pendant que je vous envoie cette missive, franchement, quelque peu offensive, alors le marmot, il a encore changé d'attitude. Il est au centre de la pièce, il tourne en rond comme ça, comme une hélice, il tourne en rond, il fait des petits ronds, et il fait toc, 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 il tourne en rond. En plus, le marmot, il devient carrément agressif, quoi, je vois, il est en train de... Voilà, il fonce comme une sorte de chien enragé, Bah, il a arraché un petit bout de mollet de ma femme. Pendant que je vous appelle, là, il est en train de me dévorer le mollet. Ouais, je suis en short. Ouais, c'est l'été, il fait chaud. Alors franchement, je peux vous dire, ça fait plutôt mal. Et le marmot, j'ai peur qu'il devienne cannibale. Alors la méthode tatane, alors franchement, elle n'est pas avérée, elle n'est pas probante, elle n'est pas probée. Hein. Alors franchement, comme je disais, si je vous retrouve le cul dehors à Esquignol, c'est tatane, hein. J'entends ma femme, elle dit double tatane, quoi. Ah ouais, non, franchement. Bon, là, voilà, comment dire, il y a l'estomac qui presse, il y a le petit bout qui est en train de sortir. Alors, bon, je vous laisse 2 minutes. Ouais, je vais juste m'absenter, je fais ma petite crotte. Alors, bon, voilà, je suis de retour, un peu soulagé. Ah ouais, alors, je suis léger du fessier. Ouais. Alors, c'est des choses qui font du bien dans la vie, c'est des petits plaisirs, comme on dit, quoi. Alors, même pour en revenir au sujet de la tatane, comment ça, ma femme, ouais, m'alerte, m'avertit que le marmot, il est parti par la porte d'entrée, quoi. Il est, comme ça, elle m'a dit, on aurait dit une crevette en rut, il a rampé comme ça jusqu'à la porte, il est parti, j'ai pas pu le rattraper, elle m'a dit. Alors bon, elle est en train de chercher dans l'immeuble, elle me dit je vais aller voir dans l'immeuble. Moi pendant ce temps je regarde par le balcon, si je le vois pas dans la cour, voilà, la cour de jeu, quoi. Oh là là, je le vois, il fonce comme un pitbull, il a l'air tout enragé. Il voit ses petits camarades de Château de Sable, il leur fout des tatanes. Oh là là, pim, pam, poum, pim. Il y avait 10aine, ils sont tous au sol, ils font... Alors non, franchement, si je vous retrouve à Esquignol, alors franchement, je vous mets une tatane. Hein.
Heureusement que ma femme elle est encore dans le couloir de l'immeuble. Moi, je vais descendre, essayer de chercher le marmot. Et alors, de vous à moi, de moi à vous, voilà, te reconnaître que... Alors là, ouais, je vais appliquer la fameuse méthode du penalty, quoi. Je dois reconnaître que je vous l'aurais même volontiers... voilà, je vous aurais donné le filon si vous ne vous avez pas parlé de la tatane qui vraiment a déstabilisé notre maman, quoi. Parce que voilà, alors bon, là je vais descendre et je vais essayer le penalty. La dernière fois, il a fait un touchdown. Il s'est retrouvé, ouais, entre les deux arbres. Il a fait, ouais. Non, alors franchement, non, non, votre méthode de la tatane, non, sinon je vous aurais donné les astuces de la technique du penalty, parce que les petits joueurs, ils font tic-tac, ils font un pointu, et le marmot, il fait pouet, et alors après, souvent, il devient toc-toc, alors non, non, non. Bon, ok, c'était pour vous, voilà, c'était un petit peu ma missive offensive, quoi, je veux dire, je suis un petit peu déçu de la méthode tatane, quoi.